the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo où c'est que je voulais vous montrer les détails du semoir. Parce que là je prépare à semer, donc je vais commencer à préparer mes réglages donc pour faire le blé. J'en profite donc pour faire cette vidéo où c'est que je vais vous montrer donc tous les réglages. Qu'est-ce qui peut se régler sur ce semoir. Donc je vous le rappelle, c'est un semoir Amazon, série D spécial, hein, D9, D30 spécial, c'est pareil. Ça fonctionne de la même façon. Donc, je vais vous montrer donc les vitesses, les réglages. Les clapets de fin, bref, tout ce que vous avez besoin de savoir pour bien régler votre semoir pour semer tout type de graines, hein, donc ça va de la féverole au blé jusqu'à même à la luzerne, c'est possible, ça m'est déjà arrivé là-dessus. Donc je vous montre un petit peu toutes les étapes pendant que je fais mon réglage et on verra tout ça, c'est parti. J'en profite d'être un petit peu au soleil pour vous montrer rapidement tous les réglages, on va y repasser un petit peu en détail, donc sur tous. Là je suis au soleil, je vais aller me mettre à l'ombre un petit peu parce que mine de rien ça chauffe un petit peu et la vidéo va pas être top si c'est trop ensoleillé. Donc je vous montre un petit peu comment se présente ce semoir. Donc c'est un semoir classique, hein, c'est un semoir à grains normal, il n'y a pas de turbine, il n'y a rien, c'est un entraînement donc par la roue tout simplement. Donc en gros pour faire simple, de suite, hein, donc on a un réglage de débit de tours, donc là on règle la dose en fonction donc des granulations. Je vous montrerai un petit un récapitulatif des contrôles de débit et autres. Après nous avons donc toute la ligne donc de semoir. Donc vous voyez certains, moi j'ai des trous, c'est juste parce que le nombre de descentes est pas adapté pour ce semoir. Donc là c'est un semoir voilà, classique avec un espacement classique, mais des fois il y avait des versions avec plus de descentes qui peuvent vous servir à faire des semis un petit peu plus serrés. Donc là dessus vous allez avoir toutes les descentes et au fond il y a un petit clapet donc de fin qui permet donc de régler avec l'aide de cette manette, donc qui se dispose donc de 1 à 8 et qui va permettre donc de régler le clapet de fin qui va permettre de faire passer plus ou moins de grosses graines en fonction de ce que vous avez besoin de semer. Donc voilà pour l'essentiel, je vais vous expliquer tout ça en détail, je vous l'ai dit, et on passe à l'ombre et on regarde mieux. Voilà, donc là ça va beaucoup mieux. Donc on va attaquer donc déjà par la première chose, si vous voulez contrôler votre débit. Moi, il a été donc nettoyé, hein, donc il est très propre à l'intérieur. Donc de regarder qu'il n'y ait pas de graines germées et autres qui pourraient fermer un petit peu le débit et donc gêner à l'évacuation des graines normales. Des fois ça arrive, on en laisse un petit peu, ça regerme, ça, on le passe l'hiver et ça fait un petit peu de déchets au fond qui bloquent la descente. Donc ça, première chose, vérifiez votre débit, votre trémie. Vérifiez votre trémie, qu'elle soit bien vide et correctement. Ensuite de ça, donc sur tous ces semoirs, vous avez les capots. Donc pour ceux qui vont l'acheter peut-être et qui ne connaissent pas, voilà, ces capots se démontent. Et à l'intérieur donc de ceci, je vais vous montrer un petit peu en détail. Donc sur la vidéo de l'an dernier aussi, je vous avais fait un petit exemple de réglage. Donc je ne me rappelle plus à combien j'avais semé, mais déjà vous regardez, semis de blé donc de 2019. Et je l'avais fait déjà un premier réglage, mais là je vais vous le montrer un petit peu plus en détail parce que j'ai eu des questions dans l'année et je souhaite y répondre donc dans cette vidéo. Donc reprenons. Donc sur ce panneau, vous avez donc tout un tableau représentant donc les espèces variétales et les réglages, les premiers réglages on va dire, c'est des pré-réglages, ça vous aidera un petit peu à aller plus vite parce que bien sûr après vous allez avoir tout ce qui est le PMG par exemple qui va faire des graines plus grosses et qui va aussi donc jouer sur votre dose. Donc on va prendre un exemple tout simple, donc on va prendre le blé bien sûr, voilà, donc on va dire blé, donc blé traité humide, généralement je pense pas qu'il y ait autre chose, donc non, donc c'est cette case. Donc là ça vous dit, on va faire première étape, donc le clapet de fond, donc ça vous voyez trois quarts ouverts, à quoi ça correspond. Donc là vous avez aussi donc des trappes, donc comme vous le voyez, donc ça, il s'agit un petit peu, je vous montre à l'intérieur, de guillotine
qui vont permettre donc de fermer plus ou moins. Donc là on est totalement fermé. Hop, à une main, c'est pas évident. Voilà, donc là on est trois quarts fermé à 100%. Après là on passe, vous avez un cran. Bien sûr, il n'y arrive pas. Hop là, voilà. Donc là on est trois quarts ouvert. Donc vous le voyez, plein, je vous montre un peu plus de détails. Donc là on est complètement fermé, trois quarts ouvert. Et après, je vais vous montrer ce qu'on a d'à côté. Là, on est ouvert à 100%. Voilà, là, ouvert à 100%. Donc là, ce qu'on va faire, je vais bouger donc toutes les descentes. Parce que là, je suis ouvert à 100%. Parce que l'an dernier, j'ai terminé avec des Faverolles. Et donc là, pour le blé, donc, comme vous voyez, ils disent trois quarts ouvert. Donc, je vous montre. Voilà, donc là on a réglé donc tout ce qui est les descentes, enfin moi j'appelle ça le réglage des descentes. Ça va permettre, donc on vous dit, de barrer un petit peu des graines pour que ça y aille progressivement. Ensuite, nous avons la position du clapet de fond. Donc vous voyez, il n'y a que deux réglages là parce qu'on est sur forcément du blé. Donc ça va se jouer entre le réglage 1 et le réglage 2. Donc vous voyez, supérieur ou inférieur à 40 grammes, c'est ce que je vous parlais du PMG. Mais il peut y avoir d'autres cas de figure. Donc comme vous le voyez ici, donc les haricots et fèves, 6, 8, il peut y avoir 4, donc là on est pois, soja, et il peut même y avoir 1, tout simplement, donc pour les toutes petites graines, de toute façon on ne peut pas faire moins que 1, donc tout ce qui va être facéli, trèfle, et j'en passe. Donc voilà, pour régler ça, donc on va attaquer moi déjà avec le réglage 1 et on va voir ce que ça donne. Donc ce réglage, il va se régler sur la manette du côté. Donc cette manette, donc vous parlez, qui est graduée de 1 à 8, bah, voilà, donc ça vous le décalez, vous le levez ou vous le baissez et ça va agir donc sur les clapets de fin. Vous voyez, voilà, sur tout le long. Voilà. Bon là j'ai exagéré la chose, ça c'est pour le vider après à la fin. Donc une, voilà, là on est réglage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Donc là on va attaquer par le réglage 1. Toujours essayer par le plus petit, parce qu'après on a encore du jeu avec le réglage de la vis latérale. Alors là, je vais vous parler donc d'un réglage justement que je n'avais pas parlé jusqu'à présent. Donc un réglage assez important donc, pour ce semoir. Ça a causé quelques problèmes à certains. Vous reconnaîtrez certainement en regardant cette vidéo, parce que je pense que vous allez la regarder. Bref, reprenons. On a donc le réglage des petites graines et des grosses graines. Alors encore une fois, vous allez me dire... Oui, mais tu nous as dit que le clapet, ça servait à régler la taille des graines. Ok, dans une certaine limite donc de quantité à l'hectare. Quand on est obligé de passer sur des graines beaucoup plus fines à l'hectare, du type luzerne, vraiment petite, on est obligé donc de changer la vitesse. Donc là, comme vous voyez, donc roue distributrice. Donc là, vous voyez, bon, les trois quarts du temps, c'est sur normal, hein, c'est normal. C'est le cas de le dire. Mais des fois, vous pouvez avoir des cas de situation. Donc là, on va être quoi? Sur du seigle, du colza, sur du trèfle violet, sur de la facélie, sur de la luzerne. Donc là, vous voyez bien, il y a marqué fine graine. Alors, pour cela, il y a un réglage à faire. C'est au niveau de ces roues distributrices. Vous voyez? Donc là, il y a deux types de roues. Donc là, il y a... soit les grosses roues qui tournent, donc je vais essayer de vous le montrer, hop, voilà, je les ai touchées, qui tournent tout ensemble, vous le voyez, voilà, et si on veut, donc mettre que des graines fines à l'intérieur, il va falloir donc débrayer les grosses roues. Donc pour cela, je vais chercher un petit tournevis, je vous montre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire. Donc là vous voyez, j'en ai enlevé un. Donc en face de la petite roue, vous avez un petit trou qui tombe normalement en face de l'autre pignon et qui vient se clipser bien sûr à l'intérieur. De ce fait, les deux roues vont pouvoir tourner en même temps. Donc en débrayant le petit loquet,
cette cannelure va venir se bloquer contre et uniquement la petite roue va être entraînée donc par la roue extérieure. Uniquement les fines roues distributrices vont tourner. Donc là, vous comprenez forcément que de passer à ça, va beaucoup jouer donc sur le débit de kilos, hectares que vous allez semer. J'espère avoir été clair entre tout. Donc juste pour vous dire que si vous voulez diminuer énormément donc votre dose, donc comme vous le voyez en lente, vous mettez donc votre roue en face du trou et après il suffit de rappuyer donc pour enclencher les deux roues. Moi, je le fais pas partout, c'était juste pour vous montrer. Donc là, je vais le faire remettre pour que les deux soient attribués parce qu'on est en normal et donc en normal ça veut dire qu'il y a toutes les roues qui tournent. Donc maintenant qu'on a réglé donc la taille des graines, le clapet de fond et les trappes d'ouverture, il nous reste un réglage à faire. Ça va être le réglage donc du débit en kilos par hectare. Donc pour cela, il y a quelques indications. Donc là, on reprend toujours blé. Donc moi, j'ai un semoir à 14 cm. Et on va partir sur une base moyenne plutôt de 180 kg, à quelque chose près. Je vous expliquerai ce petit point après, mais bon, on va partir sur 180 kg. Et donc moi, pour le D8 spécial, donc il y a la D2, c'est une variante un petit peu plus ancienne de la D2, il me semble. Mais voilà, c'est quand même les mêmes capots, donc ça doit être le même mécanisme au départ. Donc là, on va régler donc la boîte de vitesse, donc la valeur de réglage à peu près 70. Vous allez voir, c'est sur ce facteur donc qu'on va jouer sur le réglage. Le réglage de la boîte de vitesse, donc c'est ce levier qui est gradué donc de 0 à 100 et on va juste le régler donc à la distance. Donc on a dit 70. Voilà. À une main, c'est pas le top, mais bon, on va essayer. Voilà. Donc là, vous avez tous vos pré-réglages de fait pour semer. Donc là, dans le meilleur des cas, ça tombe bien du premier coup. Ça arrive très rarement, à part quand on connaît très bien donc son matériel au niveau du blé et voilà du PMG. Donc le PMG, poids moyen de 1000 graines, enfin poids de 1000 graines, on va dire. Donc c'est le poids que représente 1000 graines, que ça soit de blé, que ça soit de fèverolles et autres. Donc le blé, en fonction d'une année, d'une variété, d'une espèce, ainsi de suite, a un poids spécifique. Donc une taille aussi, forcément, vu qu'il est plus petit, il va être moins lourd et donc forcément moins de taille. Et ça va jouer donc sur le débit, forcément, parce qu'on cherche toujours à semer plutôt un nombre de graines au mètre carré qu'un poids. Comparé à ce qu'on pense souvent, il ne faut pas peser, je pèse 150 kg le blé, je le sème à 150 kg, non, ça ne veut rien dire, parce que à 150 kg une espèce, une autre il lui faudra 130 et une autre il lui faudra 180, en exagérant peut-être un peu, quoique. Donc du coup, il ne faut pas trop se fier à ça, il faut se fier à peu près au réglage, et maintenant on va voir, on va faire un contrôle de pesée, et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais aller chercher donc, deux seaux de grains. On va le mettre ça à l'intérieur. Et on va commencer à faire les tours de roue. Et je vous explique comment on fait pour le calibrage. Donc pour le calibrage, on va avoir besoin de faire un certain nombre de tours de roue en fonction de la largeur de son semoir. Donc là, vous avez bien sûr aussi le diamètre de votre roue. Donc moi, je suis en, on va dire, 5 par 16. Donc la première ligne. J'espère que vous voyez bien. Et il fait 2,50 m. Donc, pour représenter environ un 1/40 d'hectare, il faut faire 47,2 tours de roue. Alors, voilà, 47,2. Pourquoi ? Parce que là, on va mesurer à peu près la surface donc, de 250 m². Si je ne me trompe pas, un quart d'hectare, un 1/40 d'hectare, ça doit faire ça. Donc, 250 m², on va peser combien on met de graines sur 250 m². Et en faisant une petite conversion, on va trouver une dose à l'hectare. Donc pour cela, vous allez dire, je le dis parce que certains ont eu des questions un petit peu peut-être bizarres au début, mais c'est tout à fait normal parce que moi quand j'avais pris ce semoir aussi, j'avais un petit peu piétiné au départ. Bref, malgré que chaque semoir soit un peu différent, mais voilà.
Donc pour faire ça, on va faire des tours de roue, donc celle-là, la roue qui entraîne forcément la distribution. On m'a déjà dit où c'est que tu as trouvé ta manivelle. Alors oui, c'est vrai que ça peut être bizarre aussi encore au début, mais la manivelle est de l'autre côté du semoir. Et elle est sur le côté. Voilà. Donc bon, question bête ou pas, au final des fois on ne se rend pas trop compte des choses qu'on a devant les yeux. Donc là pour faire, voilà, on va poser, donc vous voyez sur le carré, là il y a un carré exprès, et on va prendre un repère, donc soit le bas, soit le haut, soit le côté, comme ça vous va le mieux. Et on va tourner donc, moi les 47,2 tours de roue. Alors il y a deux méthodes, il y a la méthode rapide et la méthode un peu plus juste. Je vous explique, parce que là, vous avez donc soit pour un 40e d'hectare ou un 10e d'hectare. Donc, soit vous faites 47 tours de roue, vous en faites 189. Forcément, le réglage sera plus juste si vous faites 189 tours. Je le fais jamais, je vous le dis vraiment, juste compter, je suis capable de me perdre en faisant les tours. Donc, je le fais jamais. Mais si vous voulez avoir une précision assez importante, surtout pour les graines qui se sèment à 4, 5, 6, 7 kg hectare, il est préférable forcément de faire plus de tours. Vous allez être un petit peu plus précis parce que forcément 10 grammes sur 250 mètres carrés, ça peut faire une grosse erreur un petit peu plus tard. Donc là, pour le moment, nous on va faire déjà plusieurs tours à donc un 40e d'hectare et on va voir donc le résultat. Donc c'est parti, je charge le grain et on regarde tout ça. Bon, je vais aller à mettre deux de plus parce que il n'y en a pas assez, on est trop sur la fin et ça peut poser des problèmes un petit peu à la fin, donc on va en mettre un petit peu plus. Alors bon, j'ai rempli, vous voyez, beaucoup plus. Amazon normalement disent de monter à peu près jusqu'à moitié trémie. Bon, on n'en est pas loin, c'est pas grave. Donc là ce que j'ai fait, j'ai mis les coupelles retournées dessous. Vous le voyez, ça va permettre donc de récupérer le grain quand ça tombe. À partir de là, donc, on mettra une petite balance et on va pouvoir peser donc le poids qui est tombé avec 47 tours de roue qui représente un 40e d'hectare. Voilà, donc le résultat de la peser. Donc maintenant on va mettre tout ça dans les seaux, je vais prendre une balance et on va regarder combien ça pèse. Alors pour déterminer donc votre besoin en kilos en fonction de votre PMG, ça vous avez des tableaux largement trouvables sur internet, je vous laisse compter, vous marquez PMG, densité blé et vous allez trouver donc des tableurs. Le problème c'est que moi donc il s'agit de ma récolte. Donc je n'ai pas spécialement l'appareil pour mesurer le PMG, même si c'est un petit quelque chose avec des trous, ça permet après de le peser, je ne l'ai pas. Je l'estime à peu près un poids moyen. Donc ce qui va faire, c'est que moi je vais faire généralement, de toute façon le blé ça se sème en gros entre 160 et 200 kg. Sachant que moi je vais semer ça au mois de novembre, on va tabler sur les valeurs un petit peu fortes. Au mois de novembre, attention, je suis dans le sud de la France. Pour le moment, il n'a pas fait en dessous de 5 degrés, il n'a pas gelé. Vraiment, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, on peut dire que c'est presque décalé d'un mois par rapport à certaines régions de France, voire plus peut-être. Hein. Pour en revenir, je vais semer environ à 180 kg. Voilà, si je décale un peu, j'augmenterai un petit peu de 50 kg. Si je venais à semer qu'au mois de décembre. Pourquoi je vous parle aussi tard? C'est parce qu'encore il n'a pas plu, tout simplement. Depuis le labour, la vidéo que je vous ai fait le labour, il n'a pas plu. Il a fait juste 8 mm l'autre jour qui m'ont permis donc de passer le vibro pour écraser un peu le labour. C'est tout. Donc pour le moment je ne me presse pas, il n'y a pas le feu, dans tous les cas, il n'y a pas d'eau dans le sol. Donc ça sert à rien de chercher à semer de bonne heure pour que ça reste 3 semaines dans le champ sans le lever. C'est pas mon but, encore moins sans bio. Donc pour le moment je laisse tranquille, les sols sont prêts, j'ai juste à prendre le semoir, à les semer quand ils annoncent de belles pluies. Voilà, donc pour en revenir à ça, je vais semer donc à 180 kg par hectare. Donc on va regarder combien ça fait, ce que j'ai préparé et qu'est-ce que ça donne en résultat.
Voilà, donc avant toute chose, il va falloir que je fasse la tare donc de mon sou, donc qui pèse 975 grammes, donc un coup de tare, et on va pouvoir verser le grain dedans. Voilà, donc 4 kilos. Donc on a mis 4 kilos sur un 40e d'hectare. Donc on va faire un petit peu la conversion, je vous explique ça tout de suite. Donc vous prenez votre petite calculatrice de façon, soit vous prenez votre nombre de kilos si c'est 1 kilo. Donc là 4 kilos, vous faites x 40, un 40e d'hectare c'est 40 fois l'hectare. Donc on se retrouve à 160 kilos. Vous avez aussi une variante, c'est de multiplier par 10 000 et de diviser par 250. C'est peut-être une autre solution qui vous aidera à trouver des solutions en fonction. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous faites un produit en croix. Donc là, il y a eu 4 kilos pour 250 m². Donc pour 10 000, voilà, on retombe aussi sur 160 kilos. Donc vous voyez, mon réglage est un peu trop faible. Je suis à 160 kilos. Donc ça veut dire qu'il va me falloir augmenter au moins de 20 kg. Donc, vu comment ça part et que je suis déjà à 70 en réglage, ce que je vais faire directement, c'est que je vais mettre le clapet de fond sur le niveau 2. Ça va, vous allez voir la différence, je ne touche pas au réglage de la roue, je vais juste toucher le clapet de fond. Donc c'est parti, je refais les tours, je vous mets ça en accéléré et on regarde le résultat. Allez, voilà, donc là vous voyez, je ne sais pas trop si vous voyez d'ailleurs, on est à 4,275 kg. Donc si on fait x 40, on se retrouve à 171 kg. C'est pas trop mal, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas assez. Donc ce que je vais faire, je vais monter la roue là on était à 70, je vais monter à peu près à 77. On va voir le résultat. 4,660 kg, donc 4,665 x 40. Donc là, on est à 186 kg. Donc c'est pas trop mal. Je vais baisser légèrement d'un cran, mais je vais laisser ce réglage. Je vous explique pourquoi. Alors, je vais laisser ce réglage pour une simple et bonne raison que je n'ai pas affaire à du blé trié. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas passé au séparateur ni au souffleur et autres. Donc c'était une récolte propre qu'on avait pris dans le champ le plus propre de l'année. Donc, mais il reste des résidus à l'intérieur. Donc vous voyez, il reste quelques petites enveloppes, peut-être des grains cassés. Donc je vais estimer ça à peu près à quelques kilos, quelques grammes. Mais au final, je vais garder quand même au moins 5 kilos de plus, donc de déchets par hectare éventuel. Si c'est semé à 185, il n'y a qu'un kilo de déchets, c'est pas grave, ça ira très bien aussi. Voilà, le but c'est d'avoir au minimum, moi je compte, enfin dans mon coin, au moins 170 kg, l'équivalent de 170 kg, hein, pour que s'il y a des problèmes avec l'hiver ou quoi, on ait suffisamment de grains au printemps. Donc voilà pour le réglage essentiellement. Et le dernier réglage auquel j'ai jamais eu à faire, mais c'est le réglage encore pour diminuer encore plus le semoir. Donc là, on est en rapide, il me semble. Il me semble qu'on est en rapide et il y a une vitesse lente, donc à l'intérieur il faut intervertir les pignons. Donc il y a ce pignon là, donc le pignon qui est à l'extérieur, qu'il faut tourner dans un sens, et ça va entraîner la roue d'une façon plus lente, la roue donc qui entraîne bien sûr donc tous les godets à l'intérieur. Voilà, donc ça va être pour les très 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 petits semis, hein, luzerne voire même plus petit. Voilà, donc je sais pas où c'est que ça s'est passé, j'ai eu une petite coupure de batterie. Bon bref, pour vous dire que ce réglage, on s'en sert très très rarement, hein, comme je vous dis, je m'en suis déjà servi donc pour des petites graines, j'ai pas eu forcément besoin. Donc voilà à peu près pour les réglages, et après donc vous faites jouer donc sur tous les facteurs que vous avez vu derrière. Donc le clapet de fin, la vitesse et l'ouverture donc des trappes pour régler vos graines jusqu'à les plus grosses qu'il y a, hein, tournesol, des fois c'est possible. Ah oui, un petit point que j'ai failli oublier, il y a un réglage aussi, je voulais vous en parler parce que ça m'arrive très rarement parce que j'ai pas ces graines, mais attendez, je passe à l'intérieur, hop. Il y a un réglage aussi à faire, donc sur le côté, j'espère que je vais arriver à le retrouver maintenant qu'il y a les graines. À l'intérieur,
voilà, vous le voyez. On peut régler l'agitation du fond, c'est-à-dire il y a un petit loquet, j'essaierai de vous mettre une image peut-être, bon bref, ça fait tourner pour équilibrer un petit peu les graines dedans, et sauf que ça va quasiment au fond, et sur les grosses graines, ça peut casser. Donc du coup, sur les graines grosses, donc type fèves, grosses fèves roll, parce que moi je le laisse quand même pour les fèves roll, grosses fèves roll, tournesol et autres, on enlève l'agitateur du fond pour éviter de casser des graines simplement. Donc bon, ça c'est pareil, moi je le touche jamais, c'est pour ça que j'ai failli oublier, mais vous pouvez peut-être être amené à le régler si vous avez des grosses graines de fèves roll, admettons peut-être, ou des graines un petit peu spécifiques qui risqueraient voilà, d'avoir un petit peu de casse en bas du fait que ça appuie sur les graines. Voilà, et un des derniers réglages, donc là pas du tout de densité ou de débit, sur le côté. Vous avez donc le réglage de la profondeur de semis. Donc comme vous voyez, ça va jouer donc de 0 à 10 cm. Donc pour cela, c'est pareil. Vous prenez donc votre manivelle qui rentre pile poil dedans. Et donc vous allez tourner, ce qui va jouer donc sur la tension des ressorts en bas. Donc j'essaie de vous montrer ailleurs. Et qui va donc enfoncer plus le soc pour semer à la hauteur voulue. Donc pour ça, bien sûr, vous mettez bien d'aplomb hein, au tracteur. Ou bon, là, je l'ai mis derrière le tracteur, mais d'habitude, moi, je suis derrière le combiné rotalabour. Et donc, vous mettez bien de niveau pour pas que ça fausse votre réglage. Et donc là, vous voyez, donc l'an dernier, les fèves-rolls, je les ai fait donc à 6. Et maintenant, il va me falloir descendre un petit peu mon réglage pour arriver entre 2 et 4 cm. On va pas chercher au millimètre, enfin, on n'y arrive jamais. Donc voilà, je vais plutôt chercher à mettre 3-4 au moins. On sera sûr que ça soit bien enterré. Et si les conditions un petit peu sont défavorables, on sera à mi-hauteur entre le frais du dessus et du dessous. Et donc ça ira plutôt pas mal. Bon, mais voilà pour cette vidéo. J'ai essayé d'être au plus concis, au plus clair. Peut-être c'est pas très clair, c'est vrai qu'on l'a pas sous les yeux, après vous verrez, donc avec ce que je vous ai expliqué, normalement il y en a assez pour que vous compreniez ce qu'il y a à faire, parce que voilà, j'étais obligé de faire, obligé non, mais j'ai voulu du moins vous faire cette vidéo, parce que je vous dis, j'ai eu plusieurs questions à maintes reprises pour les mêmes sujets, donc du coup il m'a semblé bon un petit peu de vous le faire, donc dans tous les cas j'allais le faire pour moi, donc je vous le fais partager un petit peu. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, j'essaierai de vous mettre une petite doc aussi que j'ai normalement du semoir Amazon. Je crois que c'est un fichier qu'on peut retrouver sur internet. Donc bon bref, je vous le mettrai dans la description si je le retrouve. Si je ne le retrouve pas, mais je pense pouvoir le retrouver. Donc aussi vous aurez vraiment tous les autres réglages un petit peu si vous changez les roues, le réglage des traceurs. Donc ça aussi je m'en sers pas, mais bon voilà, ça explique 2-3 choses supplémentaires, les références de pièces détachées et autres, donc ça vous l'avez dans ce petit document, donc je vous le mettrai. Donc dites moi bien sûr en commentaire si ça vous a plu, j'espère, dites moi aussi en commentaire si vous avez des questions, bref, vous le savez, j'essaye d'être là un petit peu pour vous répondre. Si j'en oublie quelques-uns, excusez moi normalement je lis quasiment tous les commentaires, à moins qu'il y en ait qui m'échappent. Donc bon, mais en tout cas merci à tous, c'est toujours très cool, vous êtes vraiment super dans les commentaires, c'est vraiment top, vous participez, c'est nickel. Donc encore merci à vous tous, ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à la prochaine, bonne semaine, ciao ciao.